J'avais dit que j'allais enseigner sur. J'avais dit que j'allais enseigner sur le jeûne. Avant ça, nous allons d'abord clôturer la prière que nous venons d'avoir. Éternel des armées, je te remercie pour chaque personne qui écoute. Je sais que ce n'est pas par hasard qu'ils sont connectés. Dieu d'amour, de bonté, Dieu de miséricorde, je te confie leur journée. Je m'accorde avec eux. Même s'ils ne savaient pas ce qu'ils veulent, Seigneur. Je déclare, Père, que tu leur montres le chemin. Je déclare, Père, que tu les inspires. Je déclare, Père très saint, qu'ils ne manquent pas de direction. Je déclare, Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils savent exactement où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent. Papa Yahweh, je déclare qu'en ce jour, ce samedi, Père, ils ne se tromperont pas. Je déclare, Père très saint, que leur esprit va toujours se lever. Tout endroit où ils avaient été enterrés, je les déterre, Seigneur. Et je demande que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils voient combien sont avec eux. Père, je les fortifie, je les restaure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde. Je sais que vous venez de différents horizons. Nous sommes sur plusieurs continents, vous n'êtes pas seulement au Cameroun. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, vous avez des choses que vous voulez accomplir. Et plusieurs fois, vous avez brisé vos engagements. Peut-être vos engagements vis-à-vis de vous-même, vos engagements vis-à-vis de Dieu. Peu importe la nature de l'engagement que tu as pris, il y a une chose qui se passe, c'est que quand tu brises un engagement, tu commences à douter de toi. Quand tu brises un engagement, tu commences à douter de toi. Et parfois, nous sommes dans des situations que nous savons ne sont pas bien pour nous. Mais nous continuons. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste comme ça que les choses sont. Voilà, donc, je sais qu'il y en a aussi beaucoup parmi vous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas jeûné. Donc, je voudrais, par cet enseignement que je vais vous produire, c'est la première partie, parce que je vais encore, jusqu'à ce qu'on engage le jeûne lundi, Je vais enseigner dessus plusieurs fois. Par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, le jeûne, déjà, c'est quelque chose qui est biblique. Donc, nous avons dans Ésaïe chapitre 58. Je répète, je viens préciser que jeûner, ce n'est pas seulement l'acte de se priver de nourriture. Tu peux te priver de nourriture, mais tu fais l'amour, tu accomplis tout acte de plaisir. Jeûner, en fait, c'est se priver de quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qu'on aime particulièrement. Je me rappelle, j'étais enceinte, je voulais jeûner. Quand on jeûnait, je me privais. Et à cette époque, j'aimais beaucoup Netflix. Parce que pendant la grossesse, généralement, c'est un peu comme si tout dénève. Donc, prier, ce n'est pas un truc que pendant la grossesse, on a trop envie de faire. Donc, et je me suis rendu compte que j'étais accro à Netflix. Je vous assure, j'ai fait 3 jours de jeûne. Peu importe ce qui me passait par la tête, je ne passais pas sur Netflix. Et avant, je passais quoi, 4 heures par jour sur Netflix. À la fin de ces 3 jours, je vous assure, l'envie, l'odeur de Netflix est sorti de mon corps. Donc, jeûner, c'est prendre une décision. Il faut d'abord que la décision soit prise. Parce que si tu ne décides pas, tu ne peux pas jeûner. Et ce qui nous dérange, c'est le manque de décision. Nous sommes des personnes très indécises. Bon, ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, allez sur Facebook. Ok? Je vous en prie. Allez sur Facebook. Comme ça, ça va faire une seule plateforme. S'il vous plaît, je vais garder l'écoute là. Ok.
bonjour, pendant quand tu arrives au bureau, prends les sacs qui sont dans mon bureau aussi. Ça vient chez moi. Tu montres, tu demandes à Dion, elle va te montrer. Ou bien manteau, elle va te montrer. Tu prends le sac qui est au sol, tous les sacs qui sont dans mon bureau au sol, ça vient dans mon, ici à chez moi. Et tu prends un des grands Samsung. Voilà. Et puis tu prends une des puces, donc la puce MTN. Tu mets dans le Samsung là. Donc j'ai besoin de mettre internet sur mon téléphone avec ça. Donc tu peux demander à Gongan de mettre internet sur MTN là-dessus. Elle active déjà. Et tu viens avec ça. Merci. J'aimerais bien que les gens de TikTok utilisent ça aussi. Voilà. Bonjour. Bonjour la reine Ada. Comment ça va? Ok. Donc, je demande la présence du Saint-Esprit pour pouvoir enseigner. Je vous en prie, écoutez très bien cet enseignement. Parce que les révélations que le Seigneur m'a données concernant le jeûne et les enseignements qu'il m'a guidés pour que j'écoute concernant le jeûne ont révolutionné ma vie. Et je ne vais pas vous mentir, il y a eu des saisons de ma vie où je n'arrivais pas à jeûner. Par contre, il y a des saisons de ma vie où j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des choses extraordinaires que j'arrivais pas, je pouvais même pas imaginer comment c'était faisable par le jeûne. Parce qu'on m'avait bien enseigné. Parce que j'ai tombé sur des enseignements qui m'ont... Et on ne peut faire que ce qu'on connaît. Ce n'est que quand tu connais que quelqu'un a fait quelque chose ou que quelque chose est faisable, que tu reçois la grâce. Et la volonté. Je déclare que cet enseignement sur le jeûne va détruire les barrières que vous aviez. Je déclare que à travers cet enseignement, vous allez... bonjour la reine Noëlla. Bonjour, bonjour. Merci pour vous. Bonjour. Vous êtes gentil. Bonjour Mani. Bonjour Nadia. Je déclare que cet enseignement va ouvrir vos yeux et ça va vous faire passer à une autre dimension spirituelle. Au nom de Jésus. Voilà. Donc... j'ai bien précisé au départ de cet enseignement que jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Tu peux te priver de nourriture, mais tu es quelqu'un de très colérique. Tu peux te priver de nourriture, mais tu es quelqu'un qui se plaint trop. Vous voyez un peu. Bonjour TikTok, je vais enseigner sur le jeûne. Parce qu'on va jeûner lundi pour 40 jours. Donc, celle qui veut un tirage, tu vas à l'inbox, tu écris un message, ok? Tu écris un message et puis on va te répondre. Mais je vais enseigner là, cet instant, ça va pour enseigner sur le jeûne. Merci. Donc, tu peux être quelqu'un qui se plaint beaucoup. Et vous savez, sans le savoir, nous avons des habitudes qui nous bloquent nous-mêmes. Tu peux être quelqu'un qui est très amer. Tu as une amertume démesurée. Et pour toi, ce sont les autres qui sont en faute. Et quand on demande, tu dis, mais attends, non, ce sont eux. Et tu te plains encore, tu te plains. Maintenant, pendant le jeûne, tu prends l'engagement suivant. Je ne vais pas me plaindre pendant X jours, X heures, X whatever, you know. Ce que tu veux faire comme... ce que tu veux... Parce que... Il y a des choses que nous aimons. Les pères de nos enfants, là.
Le mal que le père de ton enfant t'a fait, tu en parles combien de fois par jour? Hein, mamie? Le mal que le père de tes enfants t'a fait, combien de fois par jour tu en parles? Oui, vraiment. Hier, j'étais avec certaines personnes. On s'est rencontrés pour la première fois de notre vie. On était quatre. Et la personne va se reconnaître. Elle m'a dit de ne pas parler d'être dans le direct. Mais elle parlait beaucoup du père de son enfant. Et si tu avais remarqué hier, à chaque fois, je faisais que dit que sort. Je lui disais, en fait, je disais à son esprit. Parfois, il y a des choses que en nous-mêmes, on fait, on ne connaît pas. Genre, tu te dis, I'm so over this. J'ai déjà oublié ça, j'ai déjà arrêté ça, j'ai déjà... La prochaine minute, il y a un de l'autre jour, j'ai rencontré une dame toujours, l'une d'entre vous. Je vous assure, on a fait 4 ou 5 heures de temps ensemble. Comment elle parlait du père de ses enfants? On tourne, dès qu'on change de sujet comme ça là, elle revient sur lui. C'est le moment pour certains d'entre vous. Et je me dis toujours, si tu avais des gens, tu parles de lui comme ça, combien de fois quand tu es seul? Écoutez, le reality check, c'est ça qui va te faire avancer. Donc pendant le jeûne-ci, cherche une, deux, trois choses que tu sais que tu aimes trop faire. Toi-même, tu ne sais pas que ça te fait du mal. Tu ne sais pas. Mais tu passes ton temps à faire. Merci pour le cadeau, Nadia. Dès que tu as une minute comme ça, ce qui vous libérera le plus vite dans votre vie, qui vous enrichira le plus vite, le pardon et libérer les gens de votre esprit. Ce qui, bonjour Alex, la chose qui t'ont fait là, ce qui est dans ton cœur là. Donc le jeûne, c'est une opportunité pour toi, pour te discipliner. Parce qu'il faut avouer qu'il y a une époque de notre vie où on était discipliné, on était ferme, on était résolu. Tu pouvais aller faire ton sport, peu importe l'état de ton esprit, peu importe ce qui se passait dans ta vie, tu peux te lever, tu pars, tu fais ton sport. Waouh, j'ai arrêté la clim. Le silence. Mais aujourd'hui, tu as déjà, depuis les deux dernières années, tu as dit même 50 fois que tu vas reprendre le sport. Parce que ta volonté a été affaiblie. Tapotez pour ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît. Et notre volonté est affaiblie comment? Au fil des années, on rencontre des gens, on met notre espoir en eux, après ils nous laissent tomber. On couche avec des gens, on prend leur énergie, on traite avec des gens, on se force, parce que plus le temps passe, plus on se force à faire les choses qu'on n'aime pas. Dans le mauvais sens. Genre, tu es dans un mariage où tu sais que l'homme s'il me descend, je ne vous demande pas de sortir de vos mariages. Mais tu continues de rester. Ce qui fait que ton intuition se tait finalement. Ta voix se calme finalement, elle ne te parle plus. Et ton intuition est toujours là. Mais l'intuition attend juste que tu te dises, ok, je veux à nouveau. Donc, jeûner, et il n'y en a pas mis nous, on sait que c'est la nourriture. Et ta nourriture que tu manges là, ce n'est pas que tu manges beaucoup. Mais dès que tu te lèves le matin, est-ce que vous savez le nombre d'heures? Vous savez le nombre d'heures par jour où on pense à la nourriture? Je crois qu'il y a des études qui ont montré, c'est le sujet que tu as dans un enseignement de Miles Monroe. En passant, ces enseignements sur le jeûne, chaque fois que je vais enseigner sur le jeûne ou que je veux me rediscipliner pour jeûner, je vais voir les enseignements de Miles Monroe. Donc, ce que je vous enseigne est inspiré de plusieurs de ces enseignements. Miles Monroe, il est mort en 2014, paix à son âme. Donc, il dit dans un de ses sermons que il y a une étude qui a montré qu'on pense à la nourriture, que la nourriture occupe 10 heures de notre temps par jour. Jimmy Trophée, je n'ai pas besoin de tes conseils vraiment. Tu ne sais pas ce que je traverse, donc je t'en prie, laisse-moi.
Je précise aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'il faut que je reprenne le sport. S'il vous plaît, quand vous voulez prendre vos engagements pour le jeu, ne prenez pas les engagements par rapport à ce que quelqu'un vous a dit. Parce que les gens ne savent pas. Écoutez, votre cœur vous parle déjà. Donc faites très attention. Quand vous prenez plutôt ce que quelqu'un vous a dit que vous devez faire pour mettre. Même le jeûne, c'est que j'ai lancé. C'est ton cœur qui doit te dire pour que tu fasses le jeûne. Ne fais pas parce que. Ne force même pas ton mari à faire. Bonjour online. Je vous assure que je parle parce que quand vous allez libérer les gens, arrêtez de forcer les gens de faire les choses avec vous. Vous allez voir que vous allez relâcher un poids énorme. Et ce n'est pas, tu ne dois pas jeûner pendant ce temps, tu es là comme ça. Ouais, pourquoi il n'a pas prié comme ça hein? Moi, je suis réveillé à 6 heures pour prier, il ne s'est pas réveillé, non. Moi, j'ai eu à faire ça. Tu es là, tu forces ton mari pour qu'il fasse quelque chose. Il ne fait pas, ça t'énerve. Il y a eu des matins où j'ai souvent eu à réveiller mon mari que prions. Il se réveille. Il arrête ma main, il n'arrête pas comme je veux. Ou bien, je lui dis de prier, il me dit de prier. Ça m'énerve. Il me fâche. Maman. Voilà comment on laisse la prière. J'ai compris maintenant que l'affaire de jeûne ou prière ou autre chose, c'est une place. On ne force pas quelqu'un. Parfois même, tu es dans une relation qui te dérange. Tu dis j'arrête. 2 jours plus tard, tu es encore là. J'arrête. 2 jours plus tard, tu es encore là. C'est ce qui se passe, ma chérie. Ta volonté est faible. Et le jeûne aide à construire une volonté. Le jeûne aide à te discipliner. Vous me suivez? Il y en a parmi vous. Vous ne devez pas commencer le sport maintenant. Fais d'abord même 10 jours de jeûne. Au 14e jour, tu vas te lever seul, tu vas partir au sport. Tu vas te lever seul. Tu vas partir faire le sport. Certains parmi vous, peut-être, j'ai bien dit ceci, nous allons jeûner de 6h à 18h. Si tu ne peux pas faire 6h à 18h, commence par 6h à 12h. Discipline-toi seulement tous les jours. 6h à 12h, 6h à 12h, 6h à 12h, 6h à 12h, 6h à 12h. Jusqu'à ce que tu es constant pendant 10, 15, 20 jours. Parce que parfois, vous vous forcez trop. Et quand tu te forces, mais ton esprit n'est pas prêt. Quand tu fais le bounce back, c'est-à-dire, j'avais une fronde sur ma main, je ne sais pas là où j'ai mis. Bon, regarde, ça c'est élastique. Voilà, là, la fronde. Voilà, premier jour, tu dis online order, ne me précipite pas. Tu as compris? On fait quoi pendant le jeûne? On jeûne comment? Je t'en prie, ne me précipite pas. Quand moi j'enseigne, prends mon temps. Te voilà. Premier jour, tu dis que tu vas faire 3 jours de jeûne sec. Ma chérie, le deuxième jour, ou bien à 18h le premier jour, tu vas vouloir lâcher un côté. Et ce qu'on appelle le bounce back. Donc, vous devez d'abord, il y en a parmi vous, ça fait des mois, si ce n'est des années, que vous n'avez pas fait un jeûne long. Peut-être avant, tu le faisais. 2013, 14, c'est-à-dire 10 ans, 8 ans, 5 ans, 2 ans. Mais depuis 2 ans là, depuis 18 mois, des choses sont. Tu es peut-être sorti avec un monsieur. Parce que quand tu te... Surtout pour les femmes, les relations. Quand tu étais jeune, tu n'avais pas de relation peut-être. Donc c'était facile pour toi de te consacrer. De te discipliner. J'étais avec un footballeur hier. Et il nous disait que... Un ancien footballeur. Que les périodes de ils étaient en stage série. On leur interdisait les rapports.
il se dit donc, il faisait des mois sans faire de rapport. Et quand on découvre que tu as fait les rapports, tu dois faire 2 semaines avant de revenir. Ça veut dire qu'il faut au moins 2 semaines pour que ton corps revienne, pour que ton esprit revienne, pour que... Parce que faire le sport, ça veut dire que ton esprit parle à ton corps que fais ça. Passe comme ça. Fais comme ça. Ce sont des lois spirituelles très longues. Attaquer le jeûne, hein. Je n'ai même pas encore parlé de la sphère où tu vas déchaîner les trucs qui se passent, les attaches qui étaient sur ta vie. Tu vas déterrer les choses. Tu vas te sortir de la pauvreté. On n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, tenez compte du fait. Il y en a parmi vous, vous avez eu des enfants. Tu as accouché, peut-être ça fait 3 mois. Ton corps n'est pas comme... Je vous en prie, tenez compte de tout ça. Parce que si tu prends des engagements trop durs, tu vas faire le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu vas tomber. Ton esprit va jouer sur toi. Tu vois, tu ne peux pas jeûner. T'as poté sur TikTok. Si TikTok bug, je vais m'arrêter TikTok. Hein. T'as poté, je vous dis. Je suis en train de faire le live sur Facebook. Donc, quand tu vas bounce back, quand tu seras en train de manger, les pensées vont commencer à venir. Tu vois, tu ne peux pas jeûner. Tu pensais que tu pars où? Tu ne peux rien faire, regarde. C'est fini pour toi. C'est comme ça que ça joue. Et c'est pour ça que si tu ne fais pas attention, tu prends ce genre d'engagement, tu peux même sortir, tu finis tout le jeûne. C'est facile de courir et de forcer son corps pendant 3 jours. Après, tu sors de là. Mais après ces 3 jours-là, tu passes même 2 mois de confusion spirituelle. De confusion spirituelle. Donc ton esprit, tu as embrouillé. Parce que tu as attaqué trop de choses et tu n'as pas suivi. J'ai dit souvent dans mes enseignements que les esprits qui vous bloquent, ils sont là depuis des milliers d'années. Ton arrière-grand-père, grand-père, père, toi-même, ils ont seulement passé d'une personne à l'autre, une personne à l'autre. Une personne à l'autre, une personne à l'autre. Et ils arrivent sur toi, ils disent, oh, elle a seulement 10 ans, elle a seulement 30 ans. C'est pour ça que vous devez savoir comment approcher la chose. C'est très important. Donc, je précise, jeûner, bonjour à tout le monde. Bon, jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Je dois me priver de quelque chose que j'aime. Je dois me priver de quelque chose que... Peut-être il y a un dragueur là que tu sais que... Quand je m'ennuie, je l'appelle. Et depuis 2 mois, vous parlez. Il t'a montré les signes que ce n'est pas ta personne. Il t'a montré les signes qu'il n'est pas bon pour ta destinée. Et tu ne peux pas t'empêcher. Ce matin, tu l'as déjà écrit. Ou bien il est parti, t'a abandonné. Ce matin, tu l'as déjà écrit. Tu sais qu'il va te répondre à 9h. Il va voir, il va ignorer ton message. Mais il y a quelque chose en toi qui est faible. Tu n'arrives pas à ne pas lui écrire. Maintenant, tu te décides, comme je vais jeûner là, je prends l'engagement que peu importe ce qui se passe, je ne vais pas prendre mon téléphone pour appeler le gazier. Je ne vais pas prendre mon temps, mon téléphone pour regarder. Peut-être pendant le jeûne, vous pouvez aller décider de ne pas aller sur TikTok pendant des heures. Donc, tu connais peut-être les heures où je fais le direct. Parce que TikTok, c'est un réseau social très, très, très puissant. TikTok, c'est un réseau social très puissant. Quand tu entres dans la roue de TikTok, pour sortir de ça, il faut la grâce de Dieu. Et peut-être TikTok te vole beaucoup d'heures de ta journée. Quand tu t'engages. Parce que depuis peut-être 3 semaines, ton esprit te disait que tu es trop sur TikTok. Tu sens ça toi-même dans toi. Bonjour. Tu sens dans toi, mais il y a quelque chose qui est faible. Peut-être tu fais 6 heures de TikTok par jour sans le savoir. Je
suis levée ce matin, j'ai fait 25 minutes sur TikTok. J'arrivais pas à croire que j'ai fait 25 minutes. Tu fais seulement ça, tac, tu regardes, après tu dis que non. 30 secondes, 1 minute. Tu regardes 30 vidéos d'une minute, tu as fait 30 minutes sur TikTok. Comme ça, comme les blagues. Et les vidéos de 3 minutes, si tu regardes seulement 10 vidéos de 3 minutes. Et vous savez que la majorité de ces vidéos-là, ça éparpille votre esprit dans tous les sens. Quand je, comme je parle là, chacun détecte déjà sa partie. Tu peux la détecter là où tu vas jeûner. Tu peux la détecter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas disciplinées et ont raté leur appel, raté leur mission. Ont raté ce qui était censé faire. Il y a même des amis que vous ne devez pas les appeler. Vous connaissez vos copines de commérage là. Je me rends compte de plus en plus que c'est beaucoup de personnes même. Mais ce n'est pas tout le monde même qui est bien pour moi. J'ai des grandes soeurs que vous m'aimez beaucoup. Je ne peux pas écouter vos conseils. Je vous dis. Je sais que tu m'aimes. Mais je ne peux pas écouter tes conseils. Et moi-même, je t'aime. Donc, tu peux te décider que pendant ce jeûne, je coupe tel ami. Les réunions où vous partez, où vous asseyez pour impressionner les gens, pour babader, gna gna gna. La réunion arrive le 12, non. Tu décides que tu ne pars pas. C'est ça ton jeûne. Il y a les forums où vous passez sur WhatsApp. C'est vrai que le forum est bien, ça te fait perdre du temps. It's nice. Mais tu passes des heures dessus. Parce que on est dans une bataille de l'attention. J'ai dit que quoi? Pardon, écrivez cela. L'ennemi veut mon attention. C'est une énergie. Hein? C'est une énergie. L'attention, c'est une énergie. L'ennemi veut mon attention. Online order, je vais te bloquer, ok? Peut-être que tu ne me connais pas bien. Je ne fais pas comme vous faites là. Je ne viens pas prendre mes matinées sur les réseaux sociaux pour que vous venez me distraire. Absolument pas. I don't do that. Allez ailleurs pour les gens qui veulent les abonner. La prochaine fois que tu vas prendre ton téléphone ou tu vas faire quelque chose, il faut que tu te rappelles. C'est juste c'est un avertissement que je mets dans ton oreille. Je n'ai pas dit que... Et vous devez souvent avoir, on appelle ça reality check. Tu vas jeûner 6h midi. Super, Michel. Si c'est ça ta décision, super. L'ennemi, c'est l'énergie négative en fait. C'est l'énergie opposée. Parce que je sais que j'ai les gens de tous les vous, il y a, je ne fixe pas ce que je fais sur je veux seulement les chrétiens, je veux seulement les traditionnalistes. Non. Toute personne qui cherche la vérité. Mais moi, je sers Jésus. Je ne te force pas. Je sais que quand tu m'écoutes, il y a des choses que tu vas écouter. Tu vas voir que je suis venu à Dieu à travers Jésus. Voilà, donc si c'est simplement pour vous, on s'est compris, c'est bon. Et cette attention, c'est l'énergie. C'est pour ça que les réseaux sociaux, eux, ils se font de l'argent en fonction des heures qu'on passe. Si on dit que 50 000 personnes ont fait 50 000 heures sur TikTok, TikTok a plus d'argent. Parce qu'on veut l'attention. C'est spirituel. Et la preuve, parfois le matin, tu te lèves. Vous savez comment ça fait plaisir à la chair quand tu regardes une vidéo qui te distrait? Hmm?
Donc, ton corps, tu sens comment ton corps est en train de prendre plaisir. Et tu sais que le plaisir là est déjà passé. En anglais, on a un terme qu'on utilise. Delay gratification. Donc, tu remets ton plaisir à plus tard. Et vous savez que les gens les plus influents de ce monde, les plus riches de ce monde, sont les personnes qui ont su mettre le plaisir après. Donc, c'est pour ça que je vois quelqu'un qui me dit qu'il est hyper riche et il trompe sa femme. Et puis, j'ai dit non, je ne pense pas que. Parce que les affaires vont courir après les femmes. Non, non. Parce que tu es conscient. Même seulement parler avec un homme qui n'est pas ton mari. L'énergie que tu prends pour mettre dedans. Plus je monte, plus je comprends. L'énergie, c'est l'argent. L'énergie, c'est le pouvoir. Donc, genre, quand tu parles, quand ces gens t'écoutent, tu attires les gens à toi. Tu restes, tu demandes, l'argent te donne. Tu restes comme ça, là où on a mentionné ton nom. Si on a lu, peut-être que Marc Ombia. Même à la banque, ils ne t'ont pas vu physiquement, ils ne connaissent pas ton visage. Ce qu'on avait refusé depuis des mois, là, on te donne. Tu vas jeûner aussi, ton passeport est bloqué jusqu'à ce jour. Et je sais, parce que dans ce que je fais, vous savez que sur la toile, je suis un peu différent de certaines personnes qui vous prennent dans la spiritualité. Parce que quand vous venez aux gens comme moi, généralement, vous venez pour qu'on fasse tout pour vous. Moi, je dis toujours aux gens que, au contraire, venez vers moi, je vais te donner le travail. Go half a bout. Oh, you are. Je vais te donner le travail. Tu viens et te dis que discipline-toi d'abord, tu te lèves chaque matin, 3 heures, 4 heures, maximum 5 heures. Mets-toi dans ta douche, tu prends le pipi, tu te laves avec. Prends le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. C'est sur mes vidéos de TikTok. Tu es blanc, italien, des garçons du Sénégal. Il m'a fait beaucoup de mal. Ils t'ont fait beaucoup de mal. Ok. Ils t'ont pris beaucoup d'argent. Ok. Je t'apporte de la paix, TX21. Je déclare que cet argent que tu as perdu te revient. Multiplié par 10. Au nom de Jésus. Ils t'ont fait de la sorcellerie pour te détruire. Je veux maintenant que le pouvoir qui est en toi s'ouvre. Tu comprends TX21? Parce que sache une chose, si tu es encore debout, c'est parce que toi-même tu es plus fort. Parfois, c'est quand les gens nous font du mal. On découvre après que, en fait, ils voulaient même nous tuer. Ils voulaient même qu'on devienne fou. C'est à travers le mal que les gens m'ont fait que j'ai découvert mes pouvoirs. Je vous assure. Parce que je me suis rendu compte que si les plans déjà là fonctionnaient, c'est comme enterré depuis que j'ai 20 ans. Parfois, c'est quand on te fait du mal, que tu pars, tu te renseignes, tu apprends comment te protéger, comment te défendre. Donc, merci beaucoup, TX21. Donc, vous devez comprendre que quand on parle de jeûne, il y a le travail qui vient à côté. Il y a le travail. Et qui que tu sois sur cette terre, il y a des pratiques spirituelles que quand tu commences à faire, ton esprit commence à dominer. Même les gens qui font le voudou, n'importe quoi, magie noire, magie n'importe quoi, quand ils viennent, ils savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Tu vois, il a trouvé, tu t'es libéré, voilà. Beaucoup de vos problèmes, c'est parce que vous êtes, ton travail ne marche pas, tu es comme ça. Ton mariage ne marche pas, tu es comme ça. On te renvoie du boulot. On fait ceci. Ton passeport est bloqué.
Tu déposes un dossier, tout le monde passe. Après, on dit que attendez, madame. Attendez, madame. Attendez, madame. Je déclare que pendant ce jeûne que vous allez faire, tout ce qui vous a été volé vous sera restauré 100 fois plus au nom de Jésus. Un jour, j'ai perdu beaucoup d'argent, on va dire comme ça. Et je suis allé au Seigneur parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient à moi. Oh, telle personne me doit 5 millions. Telle personne me doit. Je veux qu'il paye. Je veux qu'il me remette mon argent. Je veux qu'il souffre. Le Seigneur me dit ceci un jour. Nous sommes des énergies. Voilà ce qu'il m'a enseigné. Si à 20 ans, on t'a volé de l'argent, 25 ans, on t'a volé de l'argent, supposons en 15 ans, on t'a volé 1 million d'euros. En francs CFA, on t'a volé 50 millions de francs CFA. Tu as 35 ans. Tu as zéro, tu n'as rien. Quand tu actives ton pouvoir, première chose, laisse les gens là, tous ceux qui te doivent. Parfois, quand tu penses à quelqu'un qui t'a volé ton argent, tu attires encore l'énergie de quelqu'un qui va encore venir voler ton argent. Vous m'écoutez? Oh, l'homme-là m'a menacé. Oh, tu vas attirer un homme qui va encore venir te faire du mal. Maintenant, quand tu libères ces personnes, le Seigneur m'a montré que ça veut dire que si tu gardais tes 1 million d'euros ou tes 500 millions de francs CFA, ça veut dire qu'à 35 ans, peut-être tu serais censé avoir une fortune de 500 millions de francs CFA. Le Seigneur m'a montré que quand tu as équilibré ton énergie, en un mois, deux mois, six mois, il peut te donner 500 millions que tu étais censé avoir. Donc, il fait le rappel de ce que tu as perdu. Ça, tu allais peut-être prendre 15 ans pour accumuler la fortune. Hein? Il te donne cette fortune en 3 mois ou en 6 mois. Ça, c'est le secret de ma prospérité. Quand le Seigneur m'a enseigné, moi j'appelle ça quantum, quantum acceleration. L'accélération quantique. Si vous sortez de ce que j'ai en train d'enseigner, vous me posez des questions, je ne vous répondrai pas. Sur TikTok, vous avez le don de ne pas vous concentrer sur ce qu'on vous dit. Vous avez le don de ne pas vous concentrer. Donc, vous commentez, si vous commentez plusieurs fois, je vous bloque. Que hoha. Merci. Écoutez la prière. Notre Père qui est aux cieux, nanana. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, Dieu a prévu des choses qu'il veut te donner. Chaque jour, Dieu a prévu des choses qu'il veut te donner. Chaque jour, il a prévu des choses qu'il veut te donner. Mais ça n'arrive pas à toi. Pourquoi? Il y a l'amertume. Je veux seulement que l'argent, là, donnez-moi seulement mes 1 million. Mes 500 000, ça fait 10 ans là, oh, 500 000. Ma chérie, mets-toi devant le gars, tu lui dis, je te pardonne. Écris à moi le message. Je te pardonne, papa, pas avec les 500 000. Tu le libères, tu le bloques. Moi, quand je te dis ça, pour ça, tu te libères, tu te bloques. La grâce divine, je te bloque. Vous blaguez avec moi, hein. Vous sortez de mon sujet, je vous bloque. Je ne blague pas avec TikTok. Ok. Je suis en train d'enseigner sur le jeûne. Je suis en train de m'éparpiller dans ce que je dis. Ce jeûne que vous allez commencer lundi, j'ai parlé, vous avez écouté. Cet enseignement sera disponible sur Facebook après. Donc, quand vous allez prendre votre temps, vous allez vous asseoir. Depuis que j'enseigne, vous avez déjà des idées. Vous voyez que voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Je vais donc vous lire Isaïe. Isaïe 58. Merci beaucoup, Jimmy. Ce que vous dites, c'est vrai.
Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je récupère tout en un mois. Oui. Les gens ne connaissent pas ça, Jimmy. Quelqu'un vient, il porte tes économies de 10 ans, il part avec. Active ce que je te dis là. Tu vas voir en 2, 3 mois, tout l'argent là va encore revenir vers toi. Tu vas dire, hey. Parce que quand on accumule quelque chose énergétique, l'argent vient à cause de ton énergie. La personne t'a volé physiquement, mais ton énergie est restée. Oh my God, oh my God. Ça, c'est le secret de votre vie. Hein. Si elle peut lancer le micro, soit je pars. If I can drop the mic. L'argent vient à toi à cause de ton énergie. Rien de plus, rien de moins. Donc, si je vaux 5 millions, tu viens, tu fais, tu portes mes 5 millions, tu pars avec. Ça ne te dérange pas. J'ai l'énergie de 5 millions. L'univers va chercher un moyen pour me le redonner. On va jeûner pendant 40 jours. Pour ceux qui demandent. Ce sera 40 jours. Certains feront de 6h à 12h. Certains de 6h à 15h. Certains de 6h à 18h. Donc vous choisissez de quoi vous voulez vous abstenir. Donc vous vous abstenez d'un pouvoir. Pardon. Vous vous abstenez d'un plaisir naturel dans le but d'augmenter votre puissance, votre pouvoir spirituel. Dans le but de demander, d'attraper quelque chose dans le spirituel. Vois un peu que le jeûne comme si c'était, tu changeais de voiture. Peut-être la voiture que tu as actuellement. C'est une voiture qui fait couteau. À tout moment, tu changes la roue. À tout moment, le carburant finit dedans parce que le truc est percé. Monsieur qui vient se plaindre, c'est qu'il a tout perdu. Il ne fait pas moi ça. Il ne fait pas dans le... Ici, je ne fais pas dans les plaintes. Je ne suis pas le commissariat. Ok? J'enseigne. S'il y a de l'espoir dans toi, tu as tout perdu. Et s'il y a de l'espoir dans toi, c'est ça que je veux. S'il n'y a pas, tu quittes ma page. Je ne veux pas tout le monde ici. Je veux les gens que même si tu as terre, tu n'as rien. L'énergie est encore là. Supposons que tu as une boutique. On te cambriole. Ta boutique valait 8 millions de francs CFA. Tu crois que c'est parce qu'on a cambriolé, on a pris tes 8 millions que tu es devenu pauvre? Tu as encore l'énergie de 8 millions, s'il te plaît. Tu as l'énergie de 8 millions. Donc je disais que, voir le jeune comme si tu avais une voiture qui faisait kiri. Le réservoir est percé. Le pare-brise est cassé. Tu ne vois même pas bien. Kiri. Tu commences à jeûner. Le jeûne te fait prendre la dernière Tesla. Choisissez la voiture que vous voulez. Je sais que vous aimez les voitures. Écrivez-moi les voitures ici. Les marques de voitures, s'il vous plaît. Le jeûne te fait prendre cette voiture. Ce qui fait que si tu partais à une destination, depuis 3 jours, tu es en route, alors que l'endroit où tu pars se trouve à 2 heures. Tu prends la Tesla, bien sûr, tu arrives en 1 heure, tu es arrivé, non? Rolls-Royce, Acura, Mercedes, je sais, je vous connais, Range Rover Sport, Mercedes, GLE, oui, Range Rover Evoque, oui, Cayenne, oui. Tu prends cette voiture, comment est-ce que ça va se passer? Pendant 40 jours, tu auras tes menstrues, c'est sûr, ma chérie. Donc, si tu as tes menstrues, tu continues à jeûner. Qui peut faire 40 jours sans avoir ses menstrues, ma chérie? Ma reine, bonjour. Grâce à toi, je suis allée acheter ma voiture hier par rapport à ton histoire. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? Bravo, ma chérie. Je déclare que tu auras ton permis maintenant. Reçois ton permis. Pas parler sur la voiture là. Oui. Parle, tu dis que voiture, je vais te conduire. Tu dis que petite voiture, tu n'es rien. Tu dis que le car qui part, tu vas voir.
Tu vas conduire la voiture en un laps de temps. Voilà. Donc, le jeûne te fait changer de véhicule. Ah, belle idée, tu veux faire un don, hein? Pas de problème. Je bénis ton don en avance. Le jeûne te fait changer de véhicule. Tu changes de véhicule, mais tu n'as pas encore atteint ta destination. La destination, c'est le mariage que tu veux. Arrêtez de voir les gens pour que... Donne-moi ça, je veux la voiture, je veux le mari, je veux... Non. Parce que si ton véhicule est réparé... Oui, nous sommes des anges de luxe, c'est vrai. Merci. Si ton véhicule est réparé, tu vas te lever le matin, ma chérie. Tu vas commander. Tu vas parler. Une dame m'a écrit hier, elle me dit... Elle a décidé de payer sa dîme chez moi pour la première fois. Donc, elle est musulmane et elle a tellement écouté ce que j'enseigne, ça lui a plu. Elle a dit, bon, je vais suivre ce que tu fais. Je vous ai dit, ça y est, j'ai travaillé sur ses enfants. Après, elle reçoit son salaire. Ce mois de juin, elle paye sa dîme. Deux, trois jours plus tard, la même somme de son salaire quitte de son compte. Excusez-moi. Donc, elle ne sait pas qui, elle ne sait pas comment. Il y avait des dettes qu'elle avait. On a prélevé la somme de son salaire sur son compte. Facture. Là, voilà qui reste moins. Supposons le salaire, c'est 2000 euros. Donc, elle est à moins de moins 2200 euros parce qu'elle avait payé 200 euros de dîme. Et puis, on a retiré 2000 euros de son compte. Donc, elle est à moins 200 euros dans son compte. Supposons si elle était à zéro avant le salaire. Elle reste donc, elle me dit, hier, vendredi, elle a décidé de jeûner. Elle jeûne et vers quelle heure est 16, 17 heures, c'est là que j'ai reçu le message. Elle me dit, je viens de voir encore un paiement de je ne sais d'où. Je ne sais pas quoi. Donc, l'univers s'est arrangé. Je viens de recevoir dans mon compte un argent qui correspond à la somme de mon salaire. Et ce qu'elle a fait là, pourquoi? Elle a encore payé la dîme sur le salaire là. Elle a encore envoyé 200 euros de dîme. Changer le véhicule. Le véhicule, c'est vous. Si ta puissance est restaurée, ma chérie, je vous ai toujours dit, je ne veux pas que vous dépendiez de moi. Ceux qui sont reconnaissants reviendront dire que c'est à cause d'elle que j'ai pu ouvrir mes pouvoirs. Mais vous ne dépendez pas de moi. Je ne suis pas votre Dieu. Je veux que le Dieu qui est en toi se réveille. Que ça se réveille. Je le rappelle encore. Il y a des gens qui décident de payer chez moi parce que j'enseigne et ça les aide. Il y a des gens qui décident de partir dans leur église et payer. Fais ce que ton check avec ton cœur. La dîme se paye en checkant le cœur. Je vous ai raconté hier sur Facebook hier que j'étais en train de payer ma dîme. L'instant où je sortais ma dîme pour payer, j'ai pris du temps pour écrire parce que je vous enseigne beaucoup sur la dîme. Pour écrire ce que moi-même je désire. Pendant que j'étais en train d'écrire, de faire le transfert. C'est là que j'ai aussi une autre dîme qui est entrée dans mon compte. Merci pour le cœur. Tous. Première règle numéro 1. Pendant ce jeûne, n'oubliez pas l'aspect financier de votre vie. Je vous dis, votre droit de naissance, c'est d'avoir l'argent. Je vais vous répéter ça 10 fois. Votre droit de naissance, c'est d'avoir l'argent. 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 5 fois. Votre droit de naissance, c'est d'avoir l'argent. Première chose de ton pouvoir. Votre droit de naissance, c'est d'avoir l'argent. Votre droit de naissance. C'est d'avoir... Non, ce n'est pas en chemin, ma chérie. Arrêtez. Arrêtez de stopper l'argent là-bas. Ça va faire un stop. Ou à l'avant-dernier stop, on m'a dit que le bus est gâté. Ça ne peut pas arriver à ta destination. Votre droit de naissance, c'est d'avoir l'argent. Votre droit de naissance, c'est d'avoir l'argent. C'est-à-dire que seulement pour le fait que tu respires l'air et que tu vis. Pas parce que tu es le fils de ton père, tu es le fils de ta mère. Pas parce que... Ton droit, j'ai le droit d'avoir l'argent. C'est comme une personne que tu pars au tribunal, on te menace,
Un jour, tu rencontres un avocat. Il te fait asseoir. Il t'explique tes droits. Il t'explique. La prochaine fois que tu rentres dans la salle, du tribunal, tu vas marcher comme ça. Tu vas dire de empereur, de conquérant, de nanana ici. On dit que mais, zon où. Pourquoi? Parce qu'une connaissance de ce que tu avais depuis le premier jour qu'on te menaçait dans le tribunal là. Maintenant, tu connais. Quand j'enseigne, ça me plaît comme ça, là, j'ai le goût de ça. Hey! Je te dis que, parce que maintenant, tu connais. Est-ce que tu vas arriver là-bas encore? Ton plaignant arrive. Il vient encore, il va faire gna. Tu sors ton papier, tu dis voilà. J'ai droit à ça. Monsieur le juge, selon l'article, selon Deutéronome, chapitre 28, verset 1 minute, votre honneur, s'il vous plaît. Aïe. Vous devez connaître votre droit. Donc, Pablo, bonjour. Tu regardes. Selon Deutéronome 28, au verset 2, la Bible dit que voici toutes les bénédictions qui se répandent sur moi et qui sont mon partage, parce que j'obéis à la voix de l'Éternel, votre honneur. Je suis béni dans cette ville. Je ne comprends pas pourquoi mes choses ne marchent pas. Je suis béni. Donc, bénédiction entre. Client, appelez-moi. Marchandise, sort de ce magasin. Tu continues. Mes enfants sont bénis. On les renvoie. On ne va pas vous renvoyer du lycée. Non. Mes enfants ne vont pas marcher avec les enfants têtus du quartier. Oh my God. L'ennemi joue avec vous. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Quand vous dites même prise de conscience, moi il dit loi. Tu dois connaître la loi. Laissez-moi les affaires, les mots des coachs là. Prise de conscience, tu dois seulement connaître. J'insiste sur l'argent parce que beaucoup d'entre vous, vous connaissez beaucoup de choses. Mais vous êtes toujours pauvre. Et dès que je parle de richesse pour ça là, ah non, tu sais, c'est le temps de Dieu. Comment tu peux me dire que... Il y a les gens qui n'ont même pas le tiers de tes connaissances. Ils n'ont pas le tiers de tes connaissances. Ils sont riches. Ils n'ont pas le tiers de ta puissance. Ils ont l'argent. Donc j'ai dit le jeûne, c'est un moment où on s'abstient d'un plaisir naturel pour demander un pouvoir spirituel. Et j'ai utilisé l'analogie de la voiture qu'on change. Donc comprenez que quand on change la voiture, si on veut aller n'importe où, on veut faire n'importe quoi, c'est plus accentué. Vous connaissez les rues de Douala, non? Tu as déjà conduit à Douala dans une voiture basse, sans amortisseur, et une autre personne conduit à Douala dans une voiture haute, neuve, avec de bons amortisseurs. Crois-moi, vous n'êtes pas dans le confort, n'est pas le même. La petite voiture, tu sens tout le trou. Dès que tu entres, c'est comme si on avait tapé tes fesses sur le trou, là, que... C'est comme si on avait tapé ton trou sur le... Tu dis que... Yeah! La voiture haute. D'ailleurs, tu n'entends même pas la voix le bruit du moteur. C'est bon. Quand tu entres dans le trou, tu fais seulement ça. Là. Tu fais seulement ça. Là. Vous êtes dans la même ville. Hein. Vous êtes dans la même ville. Enlevez les excuses de pauvreté que vous avez là. Pendant le temps de jeûne, vous allez prendre le temps que vous passez à chercher l'argent.
pardon, la nourriture. Le temps de la nourriture, là. Vous allez prendre le temps de la nourriture. Vous allez concentrer tout ça sur vous. J'ai bien dit que tout, c'est l'attention. Et en est là que si tu te concentrais sur ton business, sur ta page TikTok, c'est qu'aujourd'hui, tu as au moins 200 000 abonnés. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu te lèves le matin, oui, je vais. Il est 16h. 20h. Tu es fatigué, tu n'as pas dormi. Zzzz, 10h. Zzzz, 15h. Ça fait 5 mois que tu dis que tu vas poster les vidéos. Tu n'as jamais posté. Parce que tu manques d'attention, de concentration. Je déclare que pendant ce jeûne que nous allons commencer lundi, tu vas te discipliner. Je déclare que tout ce que tu auras décidé, que tu auras vu, que tu auras pris comme accord avec toi-même, tu vas te lever, tu vas faire. Parfois, il faut seulement que tu apprennes à dire non. Il te faut la force. Si tu es venu prêcher Jésus, le chemin de la vie, ma chérie, il faut partir. Tu connais Jésus plus que qui? Tu vas te concentrer. Quelqu'un t'appelle, tu dis non, je ne viens pas. Parce que le fait que tu veux faire plaisir à d'autres personnes, c'est parce que tu as peur. Il y a l'énergie de peur ici. Une dame m'écrit l'autre jour, je l'ai raconté, j'ai fait un direct où je parlais des fois où, comment j'avais commencé le sport, je m'étais disciplinée pendant des années en Angleterre. Et là, la dame me dit, moi j'ai 4 enfants, elle est je crois au Canada, j'ai 4 enfants, avant j'étais même sportive au lycée, voilà, le direct que tu as fait, ça m'a permis de reprendre, j'ai repris mon engagement vis-à-vis de moi. Je déclare que vous allez trouver l'esprit de discipline que vous aviez avant. La volonté pour commander votre corps. La volonté pour dire non à la nourriture qui n'est pas bonne pour vous. La volonté pour dire non aux compagnies qui ne sont pas bonnes pour vous. Je dépose ça sur vous pendant ce jeûne. Et il y a aussi un truc, c'est que toute chose que ton esprit t'inspire, c'est pour ça qu'au début je vous ai dit, ne partez pas suivre ce que les gens disent que vous devez faire. Quand tu prends tes engagements pour le jeûne, ce n'est pas les choses que les gens te disent. C'est ce que ton esprit veut faire. Et en prenant des objectifs, prends toujours des choses qui sont... Ne prends pas le genre... tu sais que ton salaire, c'est 100 000. Mon objectif, c'est d'avoir 120 000 par mois. C'est trop facile. Tu te fais déjà 100 000, ma chérie. Tu te fais déjà 100 000. Je déclare donc sur vous que pendant cette période de jeûne, peu importe les tentations, tapotez si ça bug, tapotez. Peu importe les tentations qui viendront, vous allez résister. Peu importe les tentations qui viendront, vous allez résister. Peu importe les personnes qui vont venir, vous allez résister. Je déclare que votre temps va être remplacé par du temps pour penser, planifier, par du temps pour être productif, c'est-à-dire accomplis les choses que depuis des années vous dites que vous allez faire.
Ça fait 3 ans que tu dis que tu vas écrire ton livre. Ça fait 4 ans que tu dis que tu vas faire telle chose. Tu as le ventre de la grossesse que tu as là, tu as ça depuis 4 ans. Je déclare que tu vas rentrer dans ton armoire, chercher les décisions que tu n'as pas pu faire. Tu vas au moins prendre une ou deux. Tu vas les remettre sur la table. Et tu les accompliras. Je déclare que pendant ce jeûne, vous allez passer du temps dans la parole. On va beaucoup faire de lecture de la parole. On va beaucoup faire de lecture. Donc, si vous n'avez pas de Bible physique, achetez une Bible, s'il vous plaît. Je mets en marche toutes les forces qui vont vous permettre, de bien jeûner et d'accomplir les objectifs que vous serez fixés. Si c'est construire la maison, si c'est fini de payer votre maison, si c'est... peu importe, aucun objectif n'est trop grand, aucun objectif n'est bizarre. Du moment où ça contribue à ton développement et ton avancée. Je déclare que pendant cette période de jeûne, vous n'aurez pas de la peine à jeter tous les plaisirs, toutes choses qui venaient te distraire. Tu sentais ça dans toi, mais tu n'arrivais pas à arrêter. Je déclare la discipline sur toi. Je déclare l'excellence sur toi. Je déclare que des quatre coins de la terre, tout ce qui te revient, si quelqu'un s'est assis sur ton terrain, un jour une dame prend un de mes kits, kit fondation, elle fait. Le kit fondation se fait avec des jours de jeûne, avec 7 jours généralement. Elle prend donc son kit, elle commence à faire. Elle dit qu'au 4e jour, je lui ai fait un lavage aussi, j'ai travaillé sur la distance. 4e jour, son oncle l'appelle. Il lui donne les papiers d'un terrain. Il dit, prends, c'est ton terrain, fais de ça ce que tu veux. Tout ce qui vous... Le jeûne commence lundi. Je vais enseigner encore aujourd'hui, encore en après-midi, je vais enseigner. Demain, je vais enseigner. Je vous prépare mentalement pour le jeûne. On va faire un jeûne de 40 jours. Tout ce qui vous revient, toute personne à qui Dieu a parlé, a dit que donne ça à telle personne, fais ses papiers pour qu'elle parte en Europe, ouvre-lui le magasin, prends ses produits, je ne sais pas, épouse-la, rentre à la maison, t'asseoir, toi qui es parti de la maison. Tout ce qui doit participer à votre joie, votre bonheur, votre accomplissement, votre plénitude, qui était partie de votre vie, ou qui n'est pas encore arrivée depuis, qui est en suspens. Je suis en train de donner, écoutez d'abord ce que je dis, je vais expliquer les conditions après. Tapotez le direct. Tout ce qui était en vous, qui avait été... Parce que, écoutez, je crois que vous n'allez peut-être pas le savoir. Il y a des gens souvent qui me disent que... Elle me fait le transfert, elle me dit, Dieu m'a mis ça à cœur depuis 2 semaines. Mais je n'avais pas le temps, je n'avais pas, ou bien il y a tes... Parfois, Dieu met, il y a ta bénédiction quelque part qui veut venir à toi. Merci, Antonia. Mais c'est bloqué. Il y a encore une autre personne, une fois, c'était en 2020, l'année passée, février, mars, avril, j'avais une puce orange qui avait été déconnectée. J'avais perdu. La femme avait payé sa dîme dessus pendant 3 mois. J'avais 492 000 dans le téléphone là. Je ne savais pas. Parce que j'avais perdu la puce, je n'avais pas réactivé. Un jour, la femme écrit, elle me dit, madame, ma reine, ça fait des mois, elle me fait les captures d'écran. Que depuis 3 mois, je dépose ma dîme ici. Est-ce que tu as reçu? Je lui ai dit, oh my God, je suis partie à Orange le jour là. J'ai me donné 5 000 au gars là pour qu'il me fasse ça. Oui, je devais attendre 72 heures. J'ai donné 5 000, il m'a fait la puce à l'instant. Le Seigneur m'enseigne, me dit qu'il y a des gens ici dehors que tu as même 50 millions quelque part. Tu n'as même jamais su. Peut-être ta mère était morte, elle avait laissé un terrain quelque part. Quelqu'un s'est assis sur ça, je ne sais même pas. Tu es enfant unique. Pendant ce jeûne de 40 jours, tout ce qui vous revient, que tu n'as même jamais su que c'est à toi, tu n'as même jamais su que ça existait. Je déclare, j'enlève le rideau qui couvrait.
J'enlève le voile qui était dessus. J'enlève les blocages qui étaient dessus. Comme le soleil frappe sur la terre. J'enlève les nuages. Et je commande que ces choses viennent à vous. Au nom de Jésus. Pour faire ton mari, Dieu m'a parlé, m'a dit que c'est ma femme. Dès qu'il veut un peu te rapprocher comme ça, tac, une distraction arrive. Il tourne, un an passe, deux ans passe, trois ans passe. Pendant ce temps, tu as des chagrins d'amour, chagrins d'amour, chagrins d'amour, chagrins d'amour, chagrins d'amour. 10 ans plus tard, tu tapes un jeune comme ça. Il dit, Dieu m'a, il vient à toi. Dieu m'a parlé depuis, c'est depuis 2013 que Dieu m'avait parlé. Et quand il te raconte, tu vois qu'il avait toujours les blocages. La Bible dit que Daniel, l'ange était sorti depuis le troisième jour, je pense, que Daniel avait prié. Il était sorti du ciel avec la bénédiction de Daniel pour arriver. L'ennemi est venu se mettre en chemin. Tout ennemi qui était venu bloquer vos bénédictions, je déclare que pendant ces jours de jeûne qu'on va faire, l'ange Michael les terrasse. L'épée de l'ange Michael coupe la tête de tout serpent, tout scorpion qui vous a bloqué au nom de Jésus. Je déclare tout contrat. Parfois, tu restes un contrat de 500 000 francs, 500 millions de francs CFA. On veut te connecter à ça. Dernière signature. Le monsieur là était d'accord. La veille, on le renvoie. Remaniement, le nouveau qui arrive, il prend tous les dossiers, il met à la poubelle. Voilà ton blocage. C'est au moins 3 dossiers comme ça depuis 1 an. Dès que ça arrive à la dernière signature, on enlève la personne. Parfois, tu prends le réseau de quelque chose. Quand ton papier arrive devant la personne, c'est le jour-là que son réseau se ferme. Toutes choses qui s'étaient mises dans le chemin de vos gros contrats. Oui, tu peux faire le jeûne en faisant ton bain de déblocage. Ça va de soi, non? Quelles sont ces questions-là? Ah ah! Le moment de jeûne, c'est le moment de faire les bains. On commence le jeûne lundi. Donc, vous allez m'écrire un message sur WhatsApp. Dans ma bio de TikTok, il y a le numéro. Écrivez, vous dites, je veux entre participer au jeûne. On sera sur un groupe WhatsApp. Et chaque fois qu'on va faire les prières et tout ça, je vais beaucoup enseigner. Certains, je ferai en direct ici, mais la plupart seront sur Zoom. Parce que les distractions qu'il y a ici, là, je ne voudrais pas ça. Donc, pendant le jeûne, donc, ce sera un moment, s'il y avait les bains de déco-blocage que vous vouliez faire, s'il y avait je voulais prendre ton kit fondation, ton kit n'importe quoi, tu prends. Bain de pipi. Si tu peux faire 40 jours de bain de pipi, tu vois, moi, des choses vont avancer. Je débloque tout contrat qui vous échappait depuis. Je déclare que dans ces 40 jours-ci, tu vas voir ça jusqu'au bout. Le banquier avait accepté ton crédit bancaire. Le jour où il devait arriver jusqu'à signer la dernière signature, tac, malade, remplacement, le nouveau arrive, il reprend encore tous les dossiers. Il prend même 6 mois encore avant de te dire non. Je mets l'accélération sur vos choses. Ça, c'est le jeûne de l'accélération. Ça, c'est le jeûne du next level. Ça, c'est le jeûne du next level au nom de Jésus. Amen. Bon, je déclare, mais voilà maintenant comment ça va se passer. Pendant le jeûne, donc on commence lundi. Lundi, c'est qui vient. On va faire 40 jours de jeûne. 6h, 18h. Il y en a qui prennent les médicaments. Il y en a qui sont hypertendus, diabétiques, nanana. Participez juste aux prières et à l'étude de la parole, s'il vous plaît. Ne jeûnez pas. Enceinte, ne jeûnez pas. Allaitante, ça peut être une opportunité pour toi pour couper le sein de l'enfant. Mais allaitante, tu peux, parce que j'ai vu dans la Bible. Voilà. Maintenant, pendant ce jeûne, avant de commencer le jeûne, on est déjà, prenez la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, écrivez ce que vous voulez. Demain, vous allez encore écrire. Ça va, on va ajuster. On va ajuster, on va ajuster, on va ajuster. Même pendant les jours de jeûne, il y a les jours où tu vas partir sur ta liste, tu vas changer, tu vas dire que 100 millions, tu étais petit. Je mets maintenant que 1 milliard. Les jumeaux, non, c'était petit, je veux maintenant que les triplés.
Mais commencez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous désirez? Écrivez d'abord ça, c'est très important. Toute somme d'argent à laquelle tu penses, ajoute au moins un zéro à côté. Ta situation, peut-être tu veux le boulot. Vous savez que tous ceux qui me suivent, je vous encourage à être entrepreneur. Pour moi, la meilleure position pour que Dieu te bénisse et que tu reçoives l'argent en agogo, c'est à ton compte. Prochain truc qu'on va faire, tous les jours, 6h00, 12h, 18h, il y aura des prières. Pardon, il y aura des prières. On peut boire l'alcool. C'est la question de tentation. Pas d'alcool. Les femmes qui sont mariées et que votre mari ne fait pas partie de ça, il ne connaît pas tout ça. Le soir, quand tu coupes le jeûne à 18h là, pardon, ne prive pas l'homme là de son sexe, je t'en prie. Bonjour Michel. Ceux qui sont mariés et qui pensent faire le jeûne, je vous en prie, ne mettez pas de contraintes. Parlez-en à votre partenaire. Si le partenaire est d'accord, s'il n'est pas d'accord, vous faites, vous jeûnez certes, mais remplissez votre devoir conjugal, s'il vous plaît. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais l'alcool, tu ne vas pas me dire que tu es marié à l'alcool. Tu n'as pas de devoir conjugal vis-à-vis de l'alcool. Donc, ça, c'est pour les prières. Je vous ai parlé de ce que vous devez écrire. J'ai précisé que durant le jeûne, chaque jour, vous allez faire une offrande. Degré de force. Une offrande qui viendra d'abord chez moi. Oui, je vais chasser les gens. Ce n'est pas tout le monde qui va faire mon jeûne. Deuxième chose, chaque jour, tu vas chercher au moins une personne à qui tu vas donner quelque chose. Tu vas faire un salaka. Chaque jour. Rosie Bisou, tu viens te plaindre d'ici. Je vais te bloquer. Vous devez vous plaindre. Je ne peux aller retirer toi-même ta chose pour ouvrir tes portes. Parce que vous aimez la pitié des gens. Ouais, ça va aller. Hein? Ouais. Fuyez. Run away from pity. Merci. Fuyez, fuyez, arrêtez. Donc, pendant cette période, vous allez aussi déterminer, à part les heures de prière, vous allez écouter beaucoup d'enseignements qui vont vous refocus. Je sais qu'il y en a parmi vous tombez seulement par hasard sur mes vidéos. Vous le suivez, vous n'écoutez même pas mes enseignements. Choisissez maximum deux personnes. Écoutez. Parce que la période de jeûne, si je veux que vous renouveliez votre... Que vous renouveliez votre mindset, votre esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 12, soyez renouvelés par... Be renewed by the... Ok. C'est la réponse à tes doléances que tu as fait à Dieu hier. Amen, Josiane. Maintenant, il faut juste te suivre. Tu as compris? Pour moi, tout ce que tu vois, tu peux faire. Everything you see, you can do and you can have. C'est pour ça que j'enseigne beaucoup sur la vision. Donc voilà ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous choisirez des enseignements que vous allez écouter. Vous allez écrire ce que vous désirez. Et vous allez vous engager chaque jour à faire des bains de sel. Bains de sel. Et ceux qui sont encore plus engagés, chaque jour, bains de la première urine du matin. Pendant 40 jours. Vous allez mettre vos alarmes. Même si c'est 500 francs par jour. Lydie, si tu donnes 500 francs par jour, ça veut dire que tu aurais fait une offrande de 15 000 le mois. C'est beaucoup. Et prenez chaque chose au jour
le jour. Ok? Maintenant, si là où tu es pour donner, c'est difficile, paye par semaine. Tu peux te dire que voilà, voilà mon offrande que je donne pour tel nombre de jours. Le but, c'est que je veux que tu vois comment l'argent va commencer à venir par toi, à toi. Il y a une chose que, quand j'ai commencé, j'ai découvert que c'est parce que chaque jour, l'argent ne sort pas de moi, que ça n'entre pas. Et il y a des principes spirituels que j'aurais aimé qu'on me force avant. On me tape même pour que je fasse. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Donc chaque jour, tu vas me faire une offrande et tu vas aussi donner à quelqu'un. Donc tu marches comme ça, tu arrives au boulot peut-être, ok. Tu achètes un sandwich, tu donnes à quelqu'un. Demain, tu achètes un biscuit, tu donnes à quelqu'un. Après demain, tu payes le ticket de métro, tu donnes à quelqu'un. Le jour d'après, degré de force doit devenir riche. Vous me suivez? Que tu veux, que tu ne veux pas, tu vas devenir riche. Parce que vous activez des forces. Ouais, t'es Seigneur, excusez-moi. Et vous allez aussi vous engager à vous lever tôt. Vous allez vous lever tôt. Je crois que pendant ce temps-là, on va mettre un truc comme 4h30. Maximum 5h. Vous allez vous engager à vous lever tôt. Parce que beaucoup d'entre vous, même seulement le fait de se lever tôt, là, c'est dur pour vous. Ceux qui, si vous êtes dans des pays où vous êtes loin, cotisez l'argent peut-être sur une semaine, deux semaines, vous envoyez. Voilà. Je crois que j'ai précisé déjà ça. Donc, si tu es en RDC, tu envoies par Western Union, tu cotises, tu envoies. Ceux qui ont PayPal, j'ai Orange Money, j'ai Airtel Money pour le Gabon, j'ai... voilà. Donc, j'ai toutes ces plateformes-là. Je vois les dernières instructions. Vous allez aussi choisir un projet sur lequel vous allez travailler tous les jours. Pour ceux qui sont au Togo, Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest là, j'ai un numéro sur lequel vous pouvez faire le transfert. C'est un numéro de Ouagadougou. Un numéro orange. Donc, j'ai précisé le dernier truc, c'est quoi? Vous allez chercher un projet sur lequel vous allez travailler tous les jours. Peut-être que tu voulais écrire ton livre. Tu vas écrire le livre là. Donc, chaque jour, tu vas prendre au moins 15 minutes ou 20 minutes. Tu vas travailler sur ton livre. Tu vas travailler sur ton livre. Tu vas travailler sur ton livre. Peut-être que tu veux lancer ta chaîne YouTube. Chaque jour que Dieu a créé, tu t'assois, tu fais une petite vidéo, tu mets en ligne. Ou tu apprends à faire d'abord les vidéos pour les 10 premiers jours. Après, quand tu maîtrises déjà un peu, tu fais une vidéo, tu mets donc... Pendant les 40 jours, là, tu vas poster 40 vidéos sur ta page. Écrivez-moi en inbox. Je n'ai pas le numéro en tête, s'il vous plaît. Pour le numéro de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tout ça, l'Afrique de l'Ouest. Ma page Facebook, c'est The Gift Digger Academy. Mon lien WhatsApp est dans la bio de TikTok. Et s'il vous plaît, je veux les agents de lumière. Si tu sais que tu es un menteur, manipulateur, aigri, ne me contacte pas. Mon énergie et toi, ça n'a pas donné. Don't even try. Don't even try. Donc, j'ai bien dit ceci. Vous allez chercher, vous allez travailler sur un projet. Voilà. Un don par jour. Une offrande. Un bain de sel. Un bain de pipi. Et vous devez écrire ce que vous désirez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez avoir? J'ai oublié quelque chose. Vous devez aussi écouter, vous avez choisi deux, maximum deux personnes. Vous écoutez au moins un enseignement par jour. Je vais souvent chercher des exemples d'enseignement et vous envoyer. J'ai beaucoup d'enseignements sur ma page. Ça fait au moins 4 ans, 5 ans que j'enseigne. Donc je vais chercher. Il y a un enseignement sur la vision.
comment planifier ses 25 prochaines années. J'avais fait ça en 2020. Je vais chercher ça, je vais poster. Vous allez regarder. Ça va vous ouvrir l'esprit à fond. Voilà. Bon, je crois que j'ai mis un enseignement par jour. Donc, voilà les conditions d'adhésion à ce jeûne. Tu vas écrire ce que tu désires. Qu'est-ce que tu vas accomplir pendant ce jeûne? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Bien sûr, tu peux prier pour quelqu'un à travers ce jeûne. Je dis, comment planifier ces 25 prochaines années? Comment planifier ces 25 prochaines années? C'est-à-dire, tu planifies ta vie de maintenant jusqu'en 2050 ou 2048. Donc, tu m'as mal compris. Vous pouvez introduire les gens dans votre demande. Ce que tu demandes à Dieu. Voilà. Si tu désires l'amour sincère, écris. Écris. Et vous allez mettre cela par écrit. Bon, par rapport aux oreilles, quelle est votre question par rapport aux oreilles? Donc, j'ai précisé qu'on va prier à 6h, 12h, 18h. Ça, c'est les prières qu'on fera tous ensemble. 40 jours de jeûne. Peut-être que tu veux que tes abonnés augmentent. Ça veut dire que tu vas t'engager à travailler sur le projet, sur cette page-là, chaque jour. Du Sénégal, comment faire son offrande? Vous faites de Western Union. Tu travailles deux fois. Même si tu travailles, les enseignements seront enregistrés que tu pourras regarder après. Pour intégrer le jeûne, dans ma bio, il y a un lien. Tu cliques dessus. Tu cliques dessus. Tu écris ça. Ça va te donner dans mon WhatsApp. Tu écris, je veux participer au jeûne. On va te mettre dans le groupe. Tu peux avoir plusieurs doléances. Écris même 6 pages de doléances. Tes doléances doivent être exactes. Tu dis exactement ce que tu veux, précisément ce que tu veux. Donc, vous envoyez par Western Union. Écrivez, on va vous dire le nom par lequel vous devez envoyer par Western Union. Par Airtel Money, le numéro Airtel Money, c'est 074 18 00 80. Si tu ne peux pas prier à 6 heures, tu pries à 4 heures avant de sortir ou à 5 heures. Ceux qui ne pourront pas participer à 16 heures de prière, ou bien à l'heure là, tu es au boulot, ton esprit est en prière peut-être, en bossant, ton esprit est là, ok. Seigneur, je m'accorde avec la prière qui est en train d'être faite actuellement. C'est comme ça. Ok, 6 heures au Cameroun, c'est 5 heures au Burkina. D'accord. Si vous avez les décalages horaires, vous devez appliquer. Actuellement, les 8h12 ici. Donc, je pense que la prière, je pense qu'on va la mettre à 5 heures. Oui. On va la mettre à 5 heures, comme ça. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent au travail à 6 heures. Donc, si on fait 5 heures, je pense qu'on va mettre à 5 heures. Donc, 5 heures, 12 heures, 18 heures. Et elle sera enregistrée. Donc, vous pourrez regarder après. Donc, ça veut dire qu'on va prier à 6h12 de Paris, à 6h00 de Paris, si c'est 5h au Cameroun. J'essaie de m'accommoder à vos décalages horaires. Voilà. Donc, envoie le message, on vous met dans le groupe WhatsApp. Voilà mes instructions. Suivez-moi et puis regardez les vidéos qui sont sur ma page, s'il vous plaît. Je vais encore enseigner demain, ce soir et demain sur le jeûne toujours. Toujours sur le jeûne. Ça, c'est pour fortifier votre mental par rapport à ça. Mon but, c'est que vous regagniez votre volonté. En anglais, on dit willpower. Que tu retrouves ta volonté. Je déclare sur vous que toute décision que vous allez prendre, toute décision
Voilà, je vois aussi beaucoup de personnes. Le Seigneur me montre que pendant cette période, beaucoup de personnes vont reprendre leur don que vous aviez abandonné. Quelqu'un qui chantait avant, tu as arrêté la chanson. Et je vois comment tu es en train de te rediscipliner. Et tu vas même faire une chaîne YouTube où tu vas souvent faire des reprises de chansons. Je vois aussi une personne qui va commencer à faire les lectures de cartes. En passant, je vends les cartes. Pour ceux qui sont qui veulent lire les cartes là, je vends les cartes. OK? Il y en a qui vous allez commencer à lire les cartes, les lectures de cartes là. Donc, il y en a, vous allez avoir le courage de finalement lancer votre page. Voilà. Excusez-moi, hein. On a sonné chez moi. Oh là là. I am coming. Voilà les livres 3%. Ma bio, c'est quand tu passes sur ma page. Il y a un lien là-bas, un lien d'un site internet que j'ai mis là-bas. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, vous allez reprendre vos dons spirituels que vous aviez abandonnés là. Vous allez les reprendre. Je déclare sur vous l'accélération. Je déclare que vous ne manquerez pas. Je déclare aussi que tout ce que vous aviez commencé. Et que vous avez abandonné en route. Pendant ce jeûne, vous allez reprendre au nom de Jésus. Tout ce que vous avez commencé. Tout projet qui tardait. Vous allez les reprendre. Je déclare. Il y a quelqu'un ici là que tu es censé être connu depuis longtemps. Mais les blocages de ta famille, c'est qu'on a bloqué le jardin. Tu ne peux pas être visible. Je déclare que pendant cette période de 40 jours, ta célébrité est ouverte. On te voit sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus. Je déclare que ton énergie va s'accélérer. Amen. Voilà. Je vous fortifie, je vous remercie. Donc, je ferai le direct le soir. Soir à 18h, bien sûr. 18h. Donc, on dit 6h30 le matin, 18h le soir. Ok. La reine, le numéro pour faire l'envoi au Burkina, là, c'est quel numéro, s'il te plaît? Je crois que tu es dans le direct. Tu peux l'écrire en commentaire. Bon, Michel, si tu as demandé ta consultation, c'est toi qui es au Congo, je pense. Oui. Ceux qui ont demandé les consultations, je vais consulter aujourd'hui. Donc, relancez-moi dans le message. Okay. Je vais aussi relancer vos business. Beaucoup de personnes vont relancer leur business. Amen. Merci, Love. Je vais relancer vos business. Beaucoup d'entre vous, vos business étaient. En fait, c'est comme si on t'avait attaché. Je vois quelqu'un qu'on t'avait attaché carrément. Et tu avais peur de relancer. Tu avais peur de relancer ton business. Tu avais peur de rouvrir ta page. Tu ne postes plus depuis. Tu avais peur de partir ouvrir la boutique à nouveau. En fait, je vois quelqu'un qui a abandonné sa boutique. Non, on ne peut pas faire directement au Cameroun. Si c'est au Sénégal. Ah, d'accord. Donc, à partir du Sénégal, on peut faire un dépôt sur Orange. D'accord. Bon, Albi, prends alors le numéro si tu es au Sénégal. Parce que je sais que de là-bas pour ici, généralement, on n'accepte pas. Donc, le numéro pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest, 226-661-68-48-4.
Donc 226 661 68 48, c'est ça. 68 48 et 4 à la fin. Voilà. Et le nom, c'est Laure. Vous allez se mettre que le nom, c'est Laure. Voilà. Donc, ou Badiel, Badiel. Donc, vous envoyez ça là-bas. Pour ceux qui vont me faire les offrandes aujourd'hui, je bénis vos offrandes. Donc, les services que j'offre, consultation. Si vous voulez les lectures de cartes, je suis en train de faire les... Donc, là, comme ça, après ce direct, si vous, vous écrivez juste, vous faites votre paiement et je pourrais faire votre lecture de cartes à l'instant. Bon, là, je suis en train de... Je vais consulter et faire les lectures de cartes jusqu'à midi. Bon, là, il est 8 heures, donc j'ai encore 3 heures pour travailler. Voilà. Donc, voilà le numéro pour l'Afrique de l'Ouest. 226 661 68 48 et 4 à la fin. Voilà. Je reçois ta bénédiction de protection. Merci. Amen. Amen. Donc 226 66 16 84 84. C'est comme ça qu'on dit ici chez vous. Hein. Merci. Bon, pour les consultations, voilà le numéro. Le numéro, c'est le 237 693. 693 50 22 66. Mais je sais que les gens de la Côte d'Ivoire envoient sur ce numéro-ci. Côte d'Ivoire, Burkina, je crois que le Sénégal aussi, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'on va envoyer là-dessus. Voilà. OK. Consultation et lavage, c'est en promotion actuellement. C'est 60 000 francs CFA. Voilà. Donc, ceux qui ont payé la consultation, si tu as payé ta consultation, tu es en train de me voir là. Écris, parce que je vais faire des consultations maintenant. OK. Super. J'ai bien déjà déclaré sur vous. Je déclare comme le jeûne va commencer lundi là. C'est l'opportunité pour toi pour faire un tournement, un tournant. Tu vas te tourner à 180 degrés pour ta vie. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelqu'un qu'on t'a attaché carrément. Maintenant, ce jeûne, tu vas te détacher. Selon Isaïe chapitre 58, la Bible dit, Isaïe 58, écoutez bien. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, toute méchanceté qu'on t'a fait, pendant ce jeûne, on va détacher. Dénoue les liens de la servitude. Toute maison ou tout endroit là où tu es en train de servir depuis, tu sais, je te détache de là. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ce sera pour guérir l'oppression, le mal de cœur et pour rompre les jougs. Les jougs, c'est comme tu, les membres, tous les membres de ta famille sont peut-être condamnés à ne pas faire ceci, à ne pas se marier, à ne pas aller en Europe. Donc, c'est pour briser ces chaînes, pour que toi, tu sortes de là et que tu avances. Excusez-moi. J'ai dit que les consultations, vous écrivez là-bas. 693 50 22 66. Le lien est dans la bio de TikTok et c'est en haut ici sur Facebook. Voilà. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, c'est ce que vous allez faire pendant le jeûne. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Et ta justice marchera devant toi. Voilà ce qui est ta portion. Isaïe 58, verset 6 et verset 8. Donc, vous allez être détaché pendant ce jeûne. Vous allez sortir des malédictions familiales de votre famille pendant ce jeûne. Vous allez lancer vos business, vous allez voyager, vous allez vous marier. Ma chérie, ouais. Recevez seulement au nom de Jésus. Voilà. Je vous détache. Je déclare que cette journée pour vous est bénie. Tout ce que vous allez toucher aujourd'hui va marcher. Comme tu as demandé à Dieu, est-ce que c'est je dois travailler? Est-ce que c'est confirme-moi, Seigneur? Aujourd'hui, tu vas recevoir ta confirmation. Prends pas des entrées d'argent, des entrées financières, la faveur partout où tu vas partir. Amen. Je vous bénis, je vous bénis, je bénis vos journées. J'enlève les distractions sur votre chemin. Amen. Bonne journée. Je bénis aussi vos dons. Je sais que vous connaissez avec moi, c'est les offrandes tous les jours. Donc, je bénis vos offrandes, je bénis vos dîmes aussi. Seigneur, je bénis toute dîme qui a été envoyée. Je bénis, je déclare que toute personne qui a libéré sa dîme dans ce ministère, Père, je relâche sur ces personnes l'abondance. Je déclare que leur ciel est ouvert, Seigneur. Je déclare que les enseignements qu'ils reçoivent vont leur permettre de se fortifier, de se lever financièrement, d'impacter notre terre, d'impacter notre génération, Seigneur. Je déclare que leurs dons vont s'ouvrir, Seigneur. Je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne va prospérer. Seigneur, je déclare que tout trou dans lequel ils ont été déposés par cette dîme qu'ils ont versée, Seigneur, je déclare qu'ils sortent de ces trous au nom puissant de Jésus. Amen. J'appelle encore plus vers vous. J'appelle plus vers vous. Que ça vienne encore plus au nom puissant de Jésus. Comme c'est sorti, je déclare que ça entre 100 fois plus au nom de Jésus.